want to take a picture from the front. Can you take one? Là, on vient de ramener les spotters chez eux et je peux vous dire que ça a été des photos, ça a été ma photo de ma plus belle photo, je crois, au monde de ma vie depuis que je suis né jusqu'à ma mort. Donc je suis hyper heureux parce qu'en plus le Kilimandjaro s'est découvert juste à ce moment-là et Craig arrivait. Bon, vous verrez les vidéos Sylvie, c'est délire total. Donc encore une fois, grâce à David. Voilà, ça c'est David. I'm David. Et Julius. Bah, c'est David qui fait tout le boulot, il se lève à 5h du matin, il cherche les traces, il se fout au cul de Craig et puis il nous appelle tout de suite, on fait 25 km, on arrive, puis après on va le chercher, c'est pas évident parce qu'il avance quand même. Non, on est super content parce que, le premier shoot j'ai raté le premier shoot parce que j'étais au 14 et au 35 et puis j'étais un peu loin, j'arrivais pas à m'approcher, j'avais un peu peur, je vous rassure tout de suite, parce que là j'étais à découvert, donc, mais bon c'est un bon gabin, c'est vraiment un bon éléphant, il est vraiment sympa. Et puis après, on a pris un café, on s'est dit bon, c'est foutu pour aujourd'hui. Et puis David m'a dit, écoute, on va le prendre plus loin, on va essayer. Il y a une partie un peu dégagée. Et quand je suis descendu, je me suis foutu au 105. Et là, derrière, qu'est-ce que je vois? Le Kilimandjaro. Je dis non, c'est pas possible. Mais ça vaut le coup d'avoir attendu aussi longtemps et puis d'avoir bossé aussi longtemps parce que c'est quand même c'est beaucoup de temps, beaucoup de photos. C'est pas une photo qu'on prend comme ça en se disant tiens, j'ai pris un éléphant devant le Kilimandjaro. C'est d'ailleurs là, c'est plus de 10 jours d'attente, de recherche. Et puis moi, je suis tout émotivé, vous savez. Non, ça fait vraiment un bien pas possible de se dire putain, ça y est, j'ai eu le shoot que je voulais. Et c'est vraiment, la photo va être vraiment magnifique. Je suis super content. Donc je vous laisse parce que je suis. Là, on part sur Kimala, on va faire de l'essence. Mais ça vaut vraiment le coup parce que
C'est pas la photo touristique, quoi. Honnêtement, c'est très compliqué à faire parce que il faut réunir plein d'éléments, la lumière, l'axe de l'éléphant. C'est pas vous qui allez dire, ah bah tiens, non, l'éléphant, il est pas bien, viens par là, tourne-toi. Lui, il a son cap et il faut trouver le cap qu'il prend par rapport à la lumière, par rapport au Kilimandjaro, par rapport à plein de choses. Et c'est vraiment un gros coup de chatte, un gros coup de l'entre de la chatte. Et... Ah, je suis content. Je vous embrasse. Bye.